Tu veux faire l'intro ? Non, vas-y, je te laisse. Bonjour, mesdames et messieurs, je fais cette introduction ASMR. Comment vous allez, mes petits loulous, ça va ? Ça va. Ça va bien, ouais. Aujourd'hui, petite vidéo avec Melvin et Edouard. On va reprendre un concept qu'on avait déjà fait sur cette chaîne. On appelle les gens sans les entendre, ça vous avait très plu. Aujourd'hui, on accueille Melvin qui est apparu dans cette vidéo. C'est parti, les boys. Et Edouard qui est apparu dans cette vidéo. Vous avez vu une image noire, c'est très normal parce que c'est la première vidéo d'Edouard. On peut l'applaudir. Comment ça va les gars, ça va un peu? Ça va, nickel. Hein. Quoi au doigt, Melvin? Ouais. C'est un trottoir qui s'est pris dans moi. Ouais. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va appeler des gens sans les entendre. Pour cela, on va faire, comme la dernière fois, un petit jeu pour savoir qui appelle en premier, qui appelle en deuxième, qui appelle en troisième, etc. Allez. Juste avant que la vidéo commence, vraiment, je voudrais vous demander d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. C'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez m'apporter pour que cette vidéo puisse passer dans les suggestions des autres. Voilà, c'est vraiment pas grand chose et ça peut vraiment beaucoup m'apporter. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui le feront. Bonne vidéo. Est-ce que vous savez qui appeler ? Oui. T'appelles qui ? Je m'appelle Alexandre Voisine. Dédicace à Alexandre Voisine. Dédicace à Alexandre Voisine. Je pense que je vais appeler Lenzo Godard en premier, histoire de bien chauffer là. Il va t'engueuler. Ouais, tu vas te faire gronder. Mais on est d'accord, si la personne crame, on refait. Surtout toi. Ouais, ouais, ouais. Miguel peut cramer. Ouais. Mais Miguel, à l'heure où nous tournons cette vidéo, tu es normalement à Paris avec ta grognance. J'espère que tu vas tomber dans le panneau et que tu ne vas y voir que lui. Bon, mais c'est parti. Donc les petits loulous, pour savoir qui appelle en premier, c'est très simple. C'est un beer pong classique. Le premier qui met la balle décide quoi faire. Mais on tire deux là. Tu veux tirer un coup ? Oui. Les balles sont nulles à chier. Bah j'en tire qu'une, mais j'en aurais besoin qu'une en plus. Comment ça ? Oh la démerde. Le culot. Bon je vais en tirer deux du coup. Tu la mettras pas. Oh la démerde. Allez. Du coup, tu choisis quand appeler. Moi, j'ai choisi en deuxième. Tu choisis soit en premier, soit en dernier. Vas-y, j'appelle en premier. Ok. J'appelle Alexandre. Elle est chaleureuse, ta lumière. On est quand même mieux que si on était moins bien, du coup. Sachez que c'est mon gros casque de gamers. Les gros PC de gamers. Français, française. J'ai plus envie d'appeler en premier, maintenant. C'est vrai? T'as l'impression? Oh, ça me fout la pression, ça, putain. Bon, j'appelle. Le mec, il gueule, là, ça y est. Tu gueules, là. Oh, mais t'as mis trop fort, mec. Non? Hein? Allez, j'appelle. Je suis en train d'envoyer un message à Miguel, j'espère qu'il va trouver. Et sinon, de toute façon, ouais, peu importe le gars que t'appelles, il peut cramer, toi. Ouais. Et vu que j'appelle jamais, c'est trop bizarre. Bah ouais, mais justement, il va paniquer. S'il tombe dans le panneau, mais qu'il a deux tuiles. Désolé, Miguel. Oh, j'aurais pu avoir un pote. Mon pote d'Erasmus, là, Louis. Mec, ça aurait pu être hyper drôle. Bah, choisis. Ah, ça peut être drôle, hein. Vas-y, hein. Oui ? Alex ? Oui ? Tu fais quoi ? Mais là, je sers à un mariage. Ah bon ? Ouais, j'ai commencé ça. Ah, parce que moi, tu vois, je suis... Je sers à un mariage, t'as essayé de m'appeler, c'était pour proposer un bail, j'imagine. Je me brosse les dents. Allô ? Allô, mec ? Allô ? Ouais, ça, mon ref. Ça va ou quoi ? Ça va, t'es mon big ref. Ouais, mec, t'es où ? Oui. Mec, quoi, attends, où je peux arriver ? Mec, je suis sur Belle, je suis sur Léissant. Allô, c'est de... Bah oui. Non, mais en gros, t'as vu mon message ou pas que je t'ai envoyé sur ouais, message, là ? Je viens de le voir. Allô, ma poule ? Ouais, ça va, mec ? Ça va ou quoi, ma poule ? Ouais, ça va. Ouais, je voulais savoir, c'est comment ton petit concert là ? Je suis même pas encore rentré dedans et ça a l'air d'être une dinguerie, je vais t'envoyer des vidéos. Ouais, c'est incroyable. Mais mec, tu m'avais dit que tu m'enverrais des vidéos. Attends, mais t'y es ou quoi ? Ah ouais. Quoi ? Ouais, mais faudrait que... Ah mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Tu peux expliquer où tu es ? Et je suis devant la finale de Roland-Garros là, et puis j'avais comme une envie de faire une soirée chez moi ce soir. J'aurais été grave chaud, mais je sers à 18h. En fait, on était invités ce matin à 10h30. Ensuite, vin d'honneur, c'est au Land Genusson. Là, on sort du jardin du lavoir, on va faire un bowling avec les gars du service. Donc ce soir, je suis pas dispo. Merde. Putain, j'étais grave chaud. Je peux. Ok, bah fais chier. Du coup, tu vois, ça sert à 18h et je pense qu'on va rentrer genre à 3h, tu vois. Et en gros, mec, il y a un moment, au champ, mec, il y a une grosse couille. Y'a quoi ? Y'a un micro qui a pas marché. Mec, j'entends rien ! De toute façon, je vais monter sur Paris, moi.
Mais bon, dis-moi où t'es, là, je te vois pas. Ouais. Non, non. Ah non, non, je suis pas là, je suis pas là, je suis con. Je suis pas là. Je parle à un handicapé, là. Allô ? Non, est-ce que j'ai ta bague aussi ? Ah oui, ça c'est mais bien. Mais tranquillou, on va se faire une petite bringouze sur Paris. Bah oui. Demain, tu fais quoi ? Ou lundi ? Mais demain, il y a les gars qui sont en finale, donc je vais avec eux. Enfin, je vais voir le match, tu vois. Tu joues ? Bah ouais, les gars, ils jouent. Et tu fais le tournoi de Six ? À côté de Fontenay. Non, non, le tournoi de Six, c'est lundi. Demain, on est dimanche. Ok. Parce que moi, lundi, dimanche, je fais le tournoi de Six de Saint-André, donc je me suis dit que vous auriez peut-être fait une équipe. Mais les filles, elles font une équipe. Il y aura toutes les filles qui font une équipe, mais tu sais, moi, avec ma cheville, je, quoi coup, je pouvais pas de toute façon, donc je me suis pas trop préoccupé de ça. Non, allô ? Il y a le micro d'Eli, il a pas marché. Et je sais. Je sais pas du tout comment lui dire, mec, j'ai trop le seum. Ton vieux casque, d'ailleurs, je sais pas, je crois pas que ce soit le mien. Je vais te bouffer le cul si fort, mon ref. Je sais que t'en as rien à branler de ce que je te raconte parce que t'entends pas ce que je dis. Je vais te lécher le trou du cul. Ça dépend. Mais je viens au festival demain. Ah, t'es pas là au festival maintenant ? Non. Tu me casses les couilles. Non, non. Non, je suis pas pompette. Si je me lève là. Non, mais juste, t'es où, s'il te plaît ? Ah, en Vendée, ouais. Bon, mec. Putain, mais t'es arraché, toi, par contre, ou quoi ? Non, pas du tout, mec. Mais par contre, t'es insupportable, là. Tu m'étudies un mot. Mec, on dirait que t'es complètement trollé, là. Bon, tu peux me dire si t'y es ou pas, mec ? Non, non. Je suis pas là. Mec, en vrai, c'était mauvaise blague, Melvin, si tu t'y es pas vu, en fait, non. Non, non, non. Une fois, ouais. Tu y vas, toi, du coup, demain ? Les gars, ils jouent, mais à côté de Fontenay. Du coup, je vais y aller. Ouais, on y va. Oui, oui, oui. Allez ! Ok. Arrêtez ! Putain, vous êtes fous. Deux. Et mec, faudra que tu payes ta piscine aussi. Ah, là, on discute. Bah, cette semaine, hein. Vas-y, vas-y. Et j'entends de la musique derrière. Oui, ouais. Ouais, trois fois, je crois. Lève les bras. Pas lève les bras. Ah là là, tu chingues. Il est en train de faire une vague. Ok, ok. Ouais, bon, on levait tous les bras là la dernière fois. Qu'est-ce que t'as pris là ? Bon, moi, je suis sur les 100, je te laisse tranquille, je t'aime, bonne vidéo à toi, mon big ref. On se voit le 15 prochain, ok ? Hein ? Oh, mais je vais trop faire le chien. Oh non, putain ! Ouais, t'es désolé, c'est depuis que je m'en. J'étais sûr que t'allais tomber dans le panneau. On se met dans le panneau ? T'as cramé direct ? Bah, frère, quand j'ai commencé à comprendre que tu me racontais n'importe quoi, je me suis dit, mais. Avec ton vieux casque de merde là, je sais pas si c'est le mien d'ailleurs. Ah ouais ? Non mais le début il est bien. Mais tu parlais pas assez. Avec la musique j'ai l'impression qu'il parlait. Tu le sommes là. Ah il a cramé vite mais c'était un peu sûr en vrai. Ouais mais Miguel il a deux cuits. Oh j'ai trop le démon Miguel mec, je vais t'abattre. T'es rentré à quelle heure hier soir ? Mec on est rentré à 5h30. Hein. T'étais bombardé non ? Bien comme il faut ouais. J'arrête. Et toi t'as fini à quelle heure ? T'as fini où ? À moi. Bon, bah je vais voir avec les autres un peu pour ce soir et puis voilà. Ouais mais dans tous les cas moi je pourrais pas être là, je suis désolé. Ok ok, ça roule. Tu m'entends ? Non, tu m'entends pas ? Oui. Ouais. Bon, bisous mec. Tu m'entends bof ? À la prochaine. Ouais bon ben bisous. Il te parlait d'un truc, tu l'as raccroché au nez, mec. Il a fait la discussion de malade, mec. T'as mec, Alex, il allait parler, il est génial, Alex. Mec, il parlait. Alors, juste quand la musique, elle a changé, j'ai entendu challenge, finale du challenge. Ouais. Du coup, j'ai rattaqué là-dessus. Et sinon, par contre, j'ai senti que je faisais des hors-sujets tout le temps. En vrai, ça va, il y a des fois, t'as bien répondu. Ça a été, non ? Ouais, franchement, t'as géré. Sauf à la fin où t'as vraiment fait ton bâtard parce qu'il te posait plein de questions et tout, toi. Bon, bah j'y vais. Tu es où ? Ouais, en Vendée. Mais je vais raccrocher là, hein, je m'en fous là. Ouais, on pourra aller au plus du fou si tu veux. Je te laisse, je vais aller prendre mon petit déj. Oh, mec, il a. Mais il a coupé. Mais trop court, mec. Ah merde. En fait, apparemment, il est un festival. Il est un festival et il a compris que t'étais là. Oui, il a dit, ouais, en fait, il te cherchait.
il disait ouais mais je sais que tu me fais une blague, t'es où et tout. C'est pour ça que je disais lève les mains et tout. C'est bien sinon. Ouais c'était trop bien. Mais tu étais à côté de la plaque. Nouvelle prise. Allô. Ouais mec, je te dérange pas? Non vas-y. Tu fais quoi toi là ce week-end? Bah là je suis dans un jardin avec des potes, avec un jacuzzi, tout tranquille. Tu vas à la mer? Non, je suis dans un jardin avec un jacuzzi. Tu vas à la piscine? Putain, t'es bien. Du coup, le jeu qu'on a fait au début n'a servi strictement à rien. Oui. Si bon, au pire, j'improvise. De toute façon, j'entendrai pas, donc... Putain, fais chier. T'as pas quelqu'un d'autre? Guy. Viens, mais pas ça. Non, tu vas rigoler sinon. Salut, bouffon. Ça va? Ok. Ouais, c'était bien hier soir? Ouais, mec, c'était incroyable. Je sais pas, on m'a dit que t'avais fait des petites dingueries. Elle. Oh. Mec, il fait pas beau chez nous. Il fait beau à Lorient. Ouais, en vrai, il y a du soleil. Hein. Ouais. Ça va, t'as pas hyper chaud. Putain, sors ce soir? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de te voir en fait. Ah, d'accord, super, ok. Non, mais vas-y, on fait une soirée. Peut-être chez Edouard. Du coup, t'es pas invité. D'accord, nickel. Ah, t'es en train de pleurer. Hein. Et mec, t'es chaud la semaine pro, on sort? Genre mercredi soir ou jeudi soir, normalement je viendrai à Nantes. On a une semaine de cours avant ça? Non. Si. Non. Si. Non. Bah on verra ça. Ouais, mec. Ah ouais. Oh mec, ça a été rapide. Il est peut-être en... Faut rappeler plusieurs fois. Ouais. Putain, fichier. Ok, et il y aura moi, Edouard et les autres, je pense. On a commencé à sonder les gens là. Après, tu peux ramener ta sœur. Hein. Non, mais ça sera pas dérangeant. Okay. Je vais demander à Edouard. Mais pourquoi t'es déjà défoncé? Il est 17h, qu'est-ce que t'as foutu? Mais mec, en vrai là, je vais pas te mentir, c'est compliqué. Hein. T'es vraiment une pédale. Et nique ta. Envoie un snap de ta gueule là pour voir comment t'es défoncé. Non. Tu sais dire autre chose que oui et non? Non. Je pleure. Ouais, allez, hein? Ouais, mec. Allô, mec? Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Mec, je t'appelle parce que tu m'avais parlé. Mec, c'est trop con. Tu m'avais parlé, anniversaire de Bolland et d'Alice, là. De ton ouais. Taf, tu sais, à Hyper U, là. Et tu m'as dit, je sais pas si tu me l'as dit en déconnant, mais tu me l'as dit en gros qu'il cherchait du monde ou truc comme ça. Mais t'es où là? Tu captes tout le monde? Mec, je comprends rien ce que tu me racontes, t'alignes pas deux mots. Tu captes tout le monde, c'est marrant. Et ils veulent que je bosse un peu pendant un mois en juin, juillet. Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a de la place ou pas? Juin, juillet. Ouais, mais je crois qu'ils cherchent encore. Ouais, coup-ci, coup-ça. Ouais, c'est ça. A plus. Non, raccroche. Allez. Mec, le nombre d'insultes ouais, que je vais devoir enlever, moi. Quoi? Ça va être bip, 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 bip. Pourquoi? Mec, il y a que des insultes. Je vais te laisser. Bisous, désolé. Je t'aime, bébé. Je t'aime, ciao. Oh, mais mec. Il est drôle, lui. Ça a fonctionné? Ouais, ça a trop bien fonctionné. C'est trop drôle. Putain, il a pas cramé du tout. C'est trop drôle. Il croit vraiment que t'es défoncé, là. Ouais. Et je l'ai dérangé ou pas du tout? Il se faisait chier? Non, il était à la piscine avec ses potes. Enfin... Vas-y, je l'appelle en fast time, alors. Ouais. Oui. T'es en vidéo? Putain. D'où? Comment t'as grillé? Bouffon, là. Parce que, mec, personne ne cherche du taf en juin-juillet. Bon. Si. Il est trop con, lui. C'est le pire argument, tu sais. Il a cramé pour le pire truc. Je suis complètement perché, mec. Je me réveille de ma sieste. Et j'aurais dit août, ce serait passé ou pas, en plus? Ouais, je pense. Oh, mais juste pour un mois, tu sais. Mec, merci, parce qu'en plus, mec, je suis coiffeur à 17h45. Là, mec, j'étais baisé.
réveil. T'avais pas mis de réveil? Non. Oh mec. Oh mec, j'étais mort. Mec, je me sauve mon coiffeur. Bon, les petits loulous, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je suis assez dégoûté de ma performance parce que j'ai appelé 5 personnes. 3 n'ont pas répondu et 2 ont cramé direct. Donc soit c'est parce qu'ils grillent tous et puis enfin oui ils ont grillé donc c'est-à-dire que ce sera plus possible après. Ou soit faut que je trouve d'autres personnes mais c'est compliqué. Mais sinon avec Edouard et Melvin ça a bien marché. Donc vous pouvez vous féliciter et vous applaudir 3 fois. Ouais. Vous êtes des gros bouffons. Ouais des gros cassos. Vraiment ça a bien marché sur vous. Ouais. Ouais, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Je sais pas comment ça a tourné mais voilà j'espère que vous avez bien aimé. Merci à vous les copains d'avoir participé. Pas de soucis. Et on vous dit à dimanche prochain. Gros bisous. Bisous à la prochaine.